lancer ce match. C'est clair. Et continuer sur la lancée, même si on perd contre Bordeaux, ils ont quand même fait un bon match. Donc on va continuer sur ce lancer-là. Effectivement, Julien, avec un écart au classement avec l'équipe de Rouen qui est présentement quatrième du championnat avec seulement 14 matchs, hein, donc c'est l'équipe qui a le moins joué. Malgré tout, ils sont quatrième. Et donc l'Armadi qui est 9e de ce championnat, donc ça va être un petit peu important, hein, pour l'Armadi. Chaque match va être décisif pour aller chercher les playoffs. Et à noter du côté de Rouen, l'absence de visiblement de. Bon, très bien. Je vois qu'à Rouen ils ont leur maillot jaune. Ouais, leur maillot jaune, mais ils ont surtout aligné tout le monde. Hein, donc, c'est clair, ils jouent demain à Bordeaux, hein, en Coupe de France. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça. Allez, c'est parti avec tout de suite un face-off donc gagné par Anglet avec tout de suite. Oh là là. Avec une action très précipitée, ouais, dans le match. Hein, ouais, tout trou en qui est dedans. Ouais. Ça pose les bases. On n'est pas venu en touriste. Vous avez la plage, vous avez la mer, vous avez la montagne. Mais nous, on a le niveau de jeu. Ouais. Ouf. Ouais, là, c'est encore. Oh là là là. Alors, grosse action avec. Ouh, ouais. Là, il y a une minute de pénalité pour Lampérier. Ouais. Qui met un joli sashing. On l'a même entendu à travers la vitre. Donc ouais, là, celui-là, il pouvait pas le louper. Diane qui perd le face-off à notre grande surprise. Puisque 100% des engagements gagnés par Rouen ont été gagnés par Rouen. Ouais. C'est vrai. La coule de source, mais c'est mieux quand c'est dit. Ah non, pareil. Finesse. Oula, Tessier, il est agressif, hein. Oula là. Agressif. Lampérier sur un. Bien, qui s'arrache. On sent quand même que l'absence d'Éric Pinard et de Pajonkowski manque à l'attaque rouennaise en ce troisième tiers. Non, moi c'était Simon Jeunesse. Je sais pas si, cher ami auditeur, téléspectateur rouennais, vous rappelez de ce joueur Simon Jeunesse. C'était magnifique, c'était le joueur certainement le plus rapide du monde avec ses patins sur mesure blancs. Ça n'existait pas à l'époque. Oh, vite. J'allais le dire. C'est bien récompensé, c'est pour le gagne, hein. Ouais, ça serait bien que le but arrive par ces lignes-là. Bah, c'est fait. C'est le cas. Avec Polo Diane, franchement, il mérite. Il fait un gros match depuis le début. On va le voir au ralenti. Il y a eu un bon jeu de Thomas de Coq et de Ross. Non, là, on va pas le voir. Oui, on voit Rouen. Là, pour le coup, c'est une erreur défensive. Enfin, une bonne attaque déjà en Gloy. Mais une petite erreur défensive parce que Polo Diane était entre les deux. Je peux pas dire ce que je pense. Bref, allez. Oula, Guéguéris qui continue à presser. Il se peut secouer. Ça revient sur. Bien, bon shoot de Lionel Tarantino. Ouais. Bon, pas trop inquiété. Pintaric, il n'y avait personne devant lui. On va le revoir là. C'était bien joué. Il y a 5-28 dans ce dernier tiers. Mm-hmm. Ah ouais, 5 minutes. Hein. C'est beaucoup, puis c'est peu à la fois. Quoi. C'est jamais confortable, bah, ni pour Rouen bien évidemment, parce qu'ils sont en déficit de score. But. Oh là là. Deuxième but. Et encore un but dans le slot. On va voir. Un but travaillé, comme on l'avait annoncé. Hein. Ouais, sincèrement, ça. Alors là, pour le coup, il est très beau. Il est un beau jeu d'équipe. Ouais, mais c'est Guéguéris aussi qui. Ouais, il y a rien à dire. Depuis tout à l'heure. Bah là, Rouen qui prend. Ah, mais c'est Galet. Ouais, franchement, c'est un très beau but. Je suis. Content pour l'équipe d'Anglet, après c'est une belle performance d'Anglet, si ça gagne, franchement gagner contre Rouen, c'est une très grosse performance, même si encore une fois, c'est peut-être pas la meilleure performance de Rouen aussi, mais enfin faut savoir prendre les matchs comme ils viennent. Ah bah ouais, prendre les points. En tout cas, ils tiennent à 6. Hein, ouais, c'est ça. Pierre qui va se battre en coin. On va les récupérer.
Allez, ah, avec ce paddle qui va rester rouané. Ouais, ça a été sauvé in extremis là par par Rouen avec Vinière sur le côté là qui remonte le palais, ça distribue. Ils vont chercher la cage. Il reste une minute de jeu. Bien. Alors, paye le prix là, Mathieu ouais. Ponce là, parce Mathieu que Ponce, franchement. Ouais. Je vais aller s'y mettre là. Exactement. À Vinières, c'est qu'il est capable de. Oh, but. Ouais, but. Avec Flood. Oula, il reste 38 secondes. Ouais. 38 secondes, un but de Flood. Je suis un peu déçu là pour Hardy qui faisait quand même un gros, ouais, gros match. Ouais, il a mérité un bon blanchissage. Et mais bon, il a pris ce but. Et là, Rouen, comment vont-ils le jouer? Ça va être une fin de match haletante, palpitante. Il faut la sortir, faut la sortir. Quelle sorte? Oh là là, il n'y a pas faute là. Bon, il peut pas siffler, non. Enfin, c'est chaud. Hop oh Rehorchak, il a raté. Et ouais. Rouen, là, Rouen qui va avoir une dizaine de secondes là pour essayer de faire la longueur de la glace là. Comme ils peuvent, il reste 5 secondes. Et le match, à mon avis, va s'arrêter pas là encore. Oh là là. Oh, oh, c'est le but. Oh là là, c'est hallucinant. C'est hallucinant, j'ai jamais vu ça. Je suis dégoûté, il y avait prolongation. But. Ah, franchement, il y est avant le temps. Ah, il y est. Ah, il y est. Il y est. Ah, pour moi, il y est. Ah, ça, c'est sûr. Est. Mais c'est sûr. C'est incroyable, incroyable. Incroyable comment un match peut être si plat pendant 59 minutes et 59 secondes et à la fin il nous sent piquine avec un but. Bon, c'est énorme. Bon, franchement, c'est magnifique. Moi, je félicitations pour les tablettes. Non, il n'y a pas but. Alors, il n'y a pas but. Ah bon? Je franchement, je suis sans voix, je comprends pas, j'aimerais avoir les. J'aimerais avoir la raison. Écoutez, on a le but qui est vraiment sous nos yeux, tant mieux, bravo à l'Ormadi. Bravo Rouen, il va expliquer. On va essayer de regarder ses gestes. C'est fait gestes. Il explique à Monsieur Lenry, à Fabrice Lenry là, pourquoi. Bon, mais ouais, mais... Ouais. Excusez notre silence, ouais, je suis un peu sans voix parce que franchement, bah enfin... Bon, mais donc, victoire du Normandie Club. Hein. Bah enfin, franchement, quel retour, ouais. Voilà, quel courage de l'équipe rouennaise. Sur ce retour-là, pour le coup, c'est mal payé, mais... Enfin, c'est mal payé. Voilà, ils nous ont fait vivre de sacrées émotions, on voit que ça discute, mais bon, on voit beaucoup de respect là de la part de tout le monde envers le corps arbitral. Bon, ils écoutent ce qu'ils ont à dire et... Donc on va décerner les MVP là. Ouais. Je dirais quand Tomasino du côté droit et... Ah, bien joué à lui, il mérite, c'est un petit jeune, ouais. Là, il part et franchement il a eu beaucoup de... Enfin, c'est un peu lui et toute beaucoup sa d'intensité ligne, faudrait, là, ouais, c'est ça, c'est lui et toute sa ligne, beaucoup d'intensité. Il a été assez en vue. Après, bon, bien sûr, il y a toujours les gros joueurs, hein, Caron qui fait un très bon match, mais je pense qu'ils sont assez souvent récompensés pour leur pour ces matchs-là. Donc, je pense que c'est bien aussi. Et du côté d'Anglette, Et donc le Polo Diane là, franchement, qui a honnêtement, ça a été. Alors, Thomas De Kock a fait un gros match. Arosa Mena a très très bien joué. Hardy, bien sûr, a été monstrueux dans la cage, mais Polo Diane, je trouve, a été un des seuls joueurs à vraiment créer, pour le coup, de l'animation offensive. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a été récompensé. Voilà, donc bravo aux deux équipes. Bravo aux deux équipes, ça a été un match un petit peu long. Rouen,
Bon, Rouen a globalement dominé le match, mais bon, ça fait partie du jeu. Bravo Anglet qui a quand même su bien défendre. Hein, ouais. Je viens tout au long du match parce qu'ils ont fait face aux assauts rouennais toute la durée du match. Et bon, ils ont fait l'écart à la fin. Et puis bon, il y a ce petit fait de jeu. Écoutez, c'est comme ça, l'arbitre a toujours raison, ils ont la vidéo, donc quelque part il y a une raison, soyons-en certains. En tout cas, Julien et moi vous remercions infiniment pour l'écoute et pour la participation que vous avez pu nous accorder à ce match-là. On voit une belle accolade entre La Roque et Tomasino qui vont aller faire les championnats du monde ensemble là, dans quelques jours. Nous vous disons à une prochaine fois. C'est ça, à la prochaine. Et puis bonne soirée, bonne nuit et puis au revoir.